En astrophysique, notre discipline, c'est de savoir d'où nous venons, en fait, nos origines. Donc on aimerait savoir quelle est l'origine de toutes les structures qui se sont formées, les amas de galaxies, les galaxies, donc les étoiles, et toutes les planètes qui sont autour des étoiles, donc la Terre par exemple. Donc d'où nous venons et comment tout ça s'est formé, pourquoi nous sommes là. On veut connaître comment se forment les galaxies. Il faut savoir pourquoi elles ont chacune un trou noir supermassif à leur centre qui fait un million, un milliard de masses solaires. Et ce trou noir croît en symbiose avec la galaxie. Donc la galaxie se forme au début de l'univers en des petites entités qui ensuite fusionnent pour donner de plus grosses galaxies. Et à chaque fois, il y a un petit trou noir qui croît en même temps qu'il se forme des étoiles, le trou noir à l'aval de la masse. Et puis, peu à peu, en fusionnant, les trous noirs vont fusionner et former un énorme trou noir. L'univers, on a appris beaucoup de choses ces dernières années, et notamment que le contenu de l'univers était fait que de 5% de matière ordinaire, la matière dont nous sommes faits. Tout le reste est inconnu. Alors on a 25% de matière complètement invisible. On sait qu'elle est là, car elle attire par sa gravité tous les autres astres autour. Et puis il y a 70% qui est de l'énergie noire. On s'est aperçu que dans l'expansion de l'univers, on s'attendait à voir une expansion qui décélère par toute l'attraction gravitationnelle de tout l'univers. En fait, l'expansion de l'univers s'accélère et va devenir exponentielle. On est obligé d'inventer ce composant qui a une pression négative et une force répulsive. Donc ça accélère l'expansion de l'univers. Donc on a 95% finalement du contenu de l'univers inconnu. Donc on a énormément appris, mais dans un certain sens, on a appris aussi qu'il y a beaucoup de questions qui restent. L'innovation, c'est plutôt, nous, notre secteur, c'est plutôt de la culture, de la curiosité. Tout le monde a envie de savoir quelles sont nos origines, comment ça se forme. Mais il y a quand même des applications qui ont été faites. Par exemple, lorsqu'on a inventé la relativité générale d'Einstein, dans les débuts du XXe siècle, on voit qu'aujourd'hui, on se sert du GPS et on se sert absolument de les travaux d'Albert Einstein. Et c'est ces travaux de relativité générale que nous, en astrophysique, on vérifie tous les jours.